avant de venir ici, j'étais en CAP MBC, en maintenance des bâtiments et de collectivités. Et donc après mon CAP, j'avais plusieurs choix. C'était soit j'allais en bac pro ELEC, soit en bac pro TFC alternance, notre formation. Et donc j'ai préféré m'orienter en bac pro TFCA car voilà, on touchait plus de l'ELEC, de la mise en service, de la tuyauterie. Des stages pendant toute la formation. Donc, voilà, ce sont des stages qui sont assez enrichissants, qui nous apportent de nouvelles expériences et puis ça nous donne aussi une vision de ce que ça va être sur le chantier. Le dernier stage que j'ai fait, c'était plus de la maintenance, tout ce qui est dépannage, maintenance, mais on a fait aussi de l'installation. Alors j'ai étudié au lycée de Mont-l'Abbé pendant 2 ans en alternance. J'ai beaucoup travaillé avec ma classe sur les chambres froides. On a fait beaucoup de calculs de température. Ensuite, on a travaillé beaucoup en clim. On a travaillé aussi, on a fait beaucoup de câblage en électricité, la régulation. Et après ça, je me suis dirigé vers.